Alors, on va mettre Shadow. Là, normalement. Voilà, super. Bon, ben voilà, on va terminer cette journée. On va faire tout. Là, par contre, je vois pas le chat. Attends. Baisser un peu le son pour mon casque. No wonder the new route is such a success. Coyote Bush is a great area. On a sunny day, everything is covered in a golden light, but even on rainy days, it's a great hiking spot. The smell of grass and... But what use is that? Voilà. Nobody sees it, hon. I say, let's try opening Coyote Bush up to tourists. It's a gorgeous spot, and tourists love those kinds of places. Oh, I never thought of that. What a great idea. Alors, du coup, relier Oakwood, Gold Island et Coyote Bush par au moins un itinéraire. Ah, c'est pas l'itinéraire que je me suis gouré la dernière fois. Si, je crois que c'est lui. Du coup, on avait dit Coyote Bush, Gold Island, c'est lequel? C'est lui. Ouais, si, c'est, je crois que c'est lui. West Cove, Fisherman Point. Non, c'est pas lui. Je crois pas que c'est lui. Je sais plus. Itinéraire 6. Greux. Bon, lui en... Non, je vais peut-être pas le supprimer du coup. Voilà. Allez. Allez, on va se faire notre itinéraire. Il est où au coude? Il est là au coude. Ok. Ok, donc c'est là. Donc au coude. Gold Island. Et... Coyote Bush. On va faire donc. Gold Island Tourist Center, Island Inn. On va faire ça. Gold Island Tourist, South Regatta. Ah, plus 1. Island Inn. Moins 1. Gold Island Tourist non. Island Inn. Gold plus Island Tourist Center, Coyote Bush North. Et moins 1. Voilà. Comme ça, cet itinéraire, il est équilibré. Passer le niveau 2 à Coyote Bush. Ok, ça, celui-là, du coup, je le ferai après. Ok, appliqué. Voilà, ça c'est fait. Donc maintenant, on va le remodifier. On ne m'a pas demandé de conduire. Voilà. Alors du coup, il faut faire... Coyote Bush à 2, ok, et Chuck Roadside, connecter deux itinéraires à Chuck's Roadside Service, c'est lequel lui? Chuck's Roadside Service, Quarry. Coyote Bush, Chuck's Roadside c'est lui, Service. C'est lui. Ah mon chat, bah tiens, tu viens pour le début du stream, tu viens pour la fin toi, bravo. Alors, du coup, faut connecter deux itinéraires. Ouais, bon, ça va. Je sais ce que je vais faire. Là. Voilà, on va faire ça. Appliquer. Voilà. On va modifier le 3. Et on va le connecter ici. Voilà. On va prendre le 4. Et on va le mettre ici. Voilà. Maintenant, on les supprime. Comme ça, on ne change rien. Ok. Hop.
Tac. Coyote Bush North. Coyote Bush North. Shocks Roadside Service. Voilà. C'est bon. Du coup, Road maintenant, on sign n'a off. plus qu'à faire l'itinéraire 8. Et on va prendre bah, celui-là. Hein. Ce vendredi soir, je te rappelle qu'on fera du Fall Guys Linéron. Ok, pas de problème. Pas de problème. Je streamerai pas un Fall Guys. Si tu veux le streamer, tu pourras, mais moi je le streamerai pas du coup. Oui, ma mimine. Oui, par contre, là, tu es en train de me griffer. Toi aussi, t'aimes le bus? C'est bien. Oh là là, par contre, il est lent à s'arrêter, ce bus. Hein. Ah non, c'est pas ici. Je redis juste on avait prévu du Fall Guys. Ok, ouais, il n'y a pas de problème. Je savais qu'on avait quelque chose de prévu vendredi, mais je me souviens plus si on avait décidé du jeu. Ok, pas de problème. Vendredi 20h30 hein, comme toujours. Ok, pas de problème. Alors par contre, il est où cet arrêt à la... Oh, il y a du chocolat là dans les pubs. J'aurais peut-être changé de bus. J'arrive pas à le manier lui. J'espère que le bus londonien sera facile à... Comment ça j'ai loupé l'arrêt? Attends, mais non, j'ai... Attends, je dois faire le 4, pas le 3. Oh, yo, yo. C'est vraiment mal foutu ça par contre. What? Bon bah c'est pas grave, j'avais raison, c'était cet arrêt. J'arrive, j'ai un truc à regarder. Alors, je t'avouerai que la moitié de gâteau là qui reste, ah je sais pas s'il tiendra jusqu'à demain en fait. Comment ça j'ai loupé un arrêt? Mais d'où j'ai loupé un arrêt? Alors, je crois que le gâteau il va quand même y passer. Bah voilà, tu voulais que j'écrase des gens, bah voilà, c'est fait. Par contre, non, par contre, il faut que je change de bus, je suis désolé, il est pas maniable celui-là. Hop, itinéraire 8, conduire.
Voilà, c'était le man, je crois. Ouais, le man. Bah non, mais c'est lui. Itinéraire 8. Tiens. Ok, on va prendre celui-là. Faudra pas pleurer quand on aura pu. Oh, voilà. Est-ce que c'est grave? Non. Là, j'ai envie de me reprendre une part là. J'ai failli oublier l'handicapé. Le passager endormi est encore dans le bus. Et alors, mais qu'est-ce que tu veux que ça me fasse? Gros. Allez, c'est parti. Mais attends, mais il me fait quoi cet itinéraire là? Je suis où déjà? Je suis là? Ouais. Attends, va... Attends, faut que j'aille où? Lui? Ça fait une recrute. Non, mais... normalement, je pense que voilà, c'est ça, voyage rapide. Voilà. Ça coupe mon itinéraire, mais c'est pas grave. Comment ça, j'ai loupé un... Eh non, franchement, au bout d'un moment, là, ça commence à me grou. Comment ça, j'ai loupé un arrêt, mais je viens à peine de le commencer. Arrête plus prêt à être amélioré. Le son il réside pas là ou alors c'est moi qui. Ok, le niveau il est à 2. Le son est bien? Ok, bon alors ça doit être bon alors. Mais j'ai écrasé un piéton, mais non, mais s'il vous plaît. Je crois que c'est pas là. Je crois que je dois pas conduire ce soir. Et en plus, elle est contente, hein. Je crois que ce que je vais faire, tu sais, c'est que je vais supprimer cette map. Parce que la mairie, que je suis désolé, c'est mort. Je peux pas, j'y arrive pas.
Les routes sont pourries. Le circuit il est pourri. Je préfère en Europe, hein. Je préfère largement en Europe, hein. C'est plus beau, c'est plus spacieux. Les Américains, s'ils veulent des bus, et ben ils ont qu'à y aller à pied, hein. En plus, on les écrase, les Américains. Bon, voilà, c'est pas ma faute. Ou alors, c'est le bus. C'est le bus, il met du temps aussi pour freiner. Voilà que je me prenne un bus. Mais alors le mien. À part le comment dire le. À part le londonien que je veux tester, mais il faudrait que je me prenne un bus et que je touche plus, quoi. Là, je suis obligé de viser ses cuisses pour qu'elle arrête de sa musique, quoi. Pardon, madame, vous avez de jolies cuisses. Est-ce que vous pourriez arrêter votre musique? Merci. Attouchement. Eh oh, eh oh. Ça va, j'ai le droit. Aujourd'hui, j'ai le droit. Non, mais par contre, il devrait donner Non. la possibilité, tu sais, de quand tu regardes en arrière, de pouvoir cliquer dessus pour éviter de te relever, quoi. Parce que quand tu es sur la route, c'est chiant. Enfin, voilà, on peut pas trop en demander à un simulateur allemand. Comment ça, non? Bah, si. Ah, attends, ça va, hein? C'est grâce à moi qu'ils ont. Ils ont un service de transport. Hein. Ouais, c'est chiant de devoir tout laisser pour aller voir. Ouais, c'est ça. Pour le réveiller, pour tu sais, comme si les autres passagers ils peuvent pas aller le réveiller à ta place, tu sais. Et je vais aller voir pour un bus. Le garage est juste là. Non, c'est pas lui. Ah, accent. C'est lui, je crois. Dealership. C'est pas lui? Si, c'est lui. Si, il y a même une clé. Ouais, donc c'est lui. Alors. Oh, par contre, ouais, non, par contre, on est pauvre. Ah non, mes frères, là, par contre, non. Ah, mais non. Non, je suis désolé, non, ça marche pas, là, non, non. Oh, la tristesse. Je vais devoir me faire des itinéraires en boucle.
que je peux me faire des petits itinéraires? Je vais me faire des tout petits itinéraires, tu sais. On va voir si ça peut marcher. Alors, on va essayer de prendre une boucle. Peut-être pas prendre comme ça, mais bon. Hein? Ouais. Trop loin, c'est trop loin, c'est trop loin. Il m'en faudrait 4, 4 rapprochés. Pourquoi tu fais un détour? Tu vois pourquoi j'aime pas l'Amérique, hein? En plus, il me le valide obligatoirement, c'est bien. Ok, voilà. Lui, on supprime. Voilà. 2. 3. 4. Ok, c'est bon. Voilà. Ouais, je vais faire ces 4 arrêts en boucle. Voir si ça peut, si ça peut changer quelque chose. Je vais prendre le tout petit. Ouais, celui-là. Sunshine Retreat. Ah, j'aurais peut-être dû. Ah, attends. J'ai peut-être changé un peu mon plan. C'est où Sunshine Retreat? Sunshine Retreat. Ah, oh, puis la fille, je la connais pas, quoi. C'est où Sunshine Retreat? Ici? Non, c'est pas ici. Highlander Park, Pecunia. Mais je vais devoir faire tous les arrêts, tu sais, pour le trouver. Sunshine Retreat. Sunshine Retreat, c'est où ça? C'est ici. C'est ici, hein, Sunshine Retreat. Je suis obligé de faire 4 arrêts. Oh, c'est chiant, je vais devoir tout refaire une boucle. Voilà, on va faire ça. On va faire ça. Mais non, mais sérieux, pourquoi je suis obligé de faire toute une boucle comme ça? Coyote Bush North. Shocks Rock Quarry.
Là, je suis obligé de faire une boucle. Bon, bah tant pis, hein, on va faire ça. Hein, et puis voilà. Et puis comme ça, au moins, il sera content. Hop. Allez. Hop. Hop. On va prendre le Citaro. Qui c'est qui bloque une porte? Mais regardez-le en plus. Et en plus, c'était un restilleur. Quelle honte. Je dois aller où? Je dois faire demi-tour. Vous êtes sérieux? Heureusement que c'est un petit bus, hein. Voilà. Ok, c'est bon. Let's go. Arrêt de bus prêt à être amélioré. I shouldn't have played so long. Bon, bah du coup ça va, la journée n'a pas été si horrible que ça. Je pensais qu'on l'aurait souhaité un peu plus souvent. J'en ai eu, hein, forcément. Je m'en doutais bien que j'en aurais eu. M'inquiéter pour rien. En même temps, c'est aussi parce que j'ai rien dit. J'ai pas crié sur tous les toits. Sinon, ça aurait été pire. Donc bon. J'ai caché la date. Forcément, ça aide beaucoup. Après moi je sais, j'ai eu le plus important, donc ça va. J'ai eu mon gâteau. Si tu l'écris pas sur toi et toi, peu de gens sont au courant. Et ça c'est bien. Qui sait, peut-être qu'au fil des années, si jamais je continue comme ça. Hein? Peut-être que un jour, je commencerai peut-être à apprécier. Oh, je suis niveau 50. Pour l'instant, j'en suis un peu loin. Après, je vais pas le cacher non plus.
Faut vraiment mentir. Le fan art que j'ai reçu de Nail. Ça fait un petit quelque chose. Je vais trop vite. Ça fait un petit quelque chose quand même. Un gros petit quelque chose. Passager semble s'être endormi, mais je vais le tabasser. Le passager, il est où merde, le passager, le tabasser. Il est où le tabasser que je passage? Mais il est parti. Oui, parce que ça touche, mais il y a ici. C'est pas faux, c'est pas faux. Ça joue beaucoup. Forcément, ça touche Mia, donc je suis un peu plus enclin aussi à accepter, mais je sais que Ney, elle l'a pas fait pour Mia, là elle l'a fait pour moi. Alors d'un côté, bon, ça fait plaisir, hein, je le cache pas, mais d'un autre côté, ça me, j'ai pas l'habitude. J'ai l'air con moi quand je remercie. Bon, ça change pas d'habitude, mais. Son suicidaire ce soir, t'as vu ça? Ou alors c'est moi qui conduis comme un pied. C'est pas impossible. Hein. Enfin, en tout cas, j'ai tenu ma promesse. J'ai dit que cette année, tout droit, hein, ouais. J'ai dit que cette année, je me cacherai pas. Hein. Je l'ai fait. Vous pourrez dire que vous étiez là. Après, j'ai pas promis pour les autres années, alors ça va. L'année prochaine, vous ne me verrez pas. Oh, c'est bien, tu pourrais rester un peu. Hein? Voilà. Tu vois, l'année prochaine, si tu en as envie aussi. Je sais que non. L'année prochaine, il y aura du changement déjà. Je sais que. Déjà, Mers habiterait pas très loin. Alors même si l'environnement ne change pas, le fait qu'elle sera pas très loin, ça peut changer beaucoup de choses. On verra surtout comment ça se passe d'ici l'année prochaine et si l'envie de stream est toujours là aussi. C'est bon, c'est pas parce que je stream que l'envie est forcément toujours là. Pareil hein, vis-à-vis du dev de Meia. Je sais pas où je serai l'année prochaine. Mais ouais, du coup, on verra. Et qui sait l'année prochaine, si jamais je refais un stream, qui sait? Je serai peut-être encore sur FF.
Mystère et boule de gnome. Après, je sais plus à qui j'ai dit ça, je crois que c'était à Régine à un moment quand j'étais en vocal avec lui. Je lui dis, j'ai un petit souci sur FF et un jour faudra que. Enfin, j'ai une question sur FF et il faudra qu'à un moment j'y réponde par moi-même. C'est que. Voilà, le jeu, je l'ai commencé avec toi. Je le continue avec toi. Je vais. Alors, je ne sais pas combien de temps encore il nous sépare du niveau 50 ou 60. 60. Ma question que je vais devoir répondre quand ce sera le moment, c'est est-ce que j'arriverai à y jouer seul? Non pas à réussir à me démerder, hein, ça va, je sais que je suis un peu con, mais j'arriverai à me débrouiller. C'est bon, j'ai réussi mon objectif. Mais c'est surtout, est-ce que du coup, est-ce que j'arriverai à être seul? Autonome. Non, pas autonome. Bon, autonome, ça va, bah, c'est un MMO, donc faut juste que je reprenne mes repères. Mon problème, c'est la carte, hein, comme j'ai dit. Mon plus gros problème, c'est la carte. C'est surtout, est-ce que du coup, je vais pas me sentir. Est-ce que ça va pas m'emmerder, tu sais, d'être tout seul dans le sens auquel bah, je joue avec personne? Même si on est chacun de son côté, tu vois. Mais c'est ça ma question. Ouais, mais bon, la carte, on s'y fait au bout d'un moment. Oui, c'est sûr. Sans, je me souviens sur vous, c'était pareil. Hein, la carte, je me suis dit, mais attends, mais je vois pas les chemins, enfin, je vois pas les petits sentiers et tout. Et puis bon, maintenant la carte de boue, j'ai réussi à m'y faire. Écoute, faudra voir. C'est ça. C'est ça. C'est pour ça que si jamais à un moment je prends beaucoup trop d'avance au niveau de l'XP par rapport à toi, peut-être. J'attendrai pas de niveau 60 pour répondre à ma question. Je ferai peut-être un stream seul. Enfin, même si tu es sur le chat, hein, évidemment. Mais un stream vraiment seul pour essayer de me démerder et savoir du coup si. Merde, j'ai fermé la porte. Si jouer seul, ça me plairait. Parce que le jeu, c'est bon, hein, le jeu, j'accroche. Ça c'est ok. Me démerder, bon ça va, je pense que je me démerde pas trop mal, ça se voit avec les quêtes. Ça s'est vu avec les quêtes tout à l'heure, même si du coup je suis meilleur comme une merde. Mais voilà, le problème c'est que du coup j'ai commencé bah, avec toi, est-ce que du coup je saurais jouer seul? Mystère. On va déjà avancer tranquillement dans l'épopée, voir si ça te plaît toujours autant pour avoir atteint la fin de Evensward. Oui. Oui. Enfin, comme j'ai dit, le jeu, ça va. Bon, je pense que là, j'ai ma réponse. Le jeu, j'accroche. Alors, c'est sûr, j'accroche pas aussi. J'accroche pas autant que j'ai pu m'accrocher à vous à l'époque, hein, ça restera toujours ma référence. Mais ça, c'est aussi parce que les jeux m'amusent moins qu'avant. Mais ça va, je continue, donc c'est que le jeu me plaît.
Merde, par contre me payer les panneaux aussi ça me plaît. Voilà. C'est pas ma faute. C'est pas ma faute. C'est le panneau qui s'est trouvé au mauvais endroit. Tiens, j'avais pas remarqué que le quartier là, il n'est pas débloqué. Ça m'étonne. Alors, du coup, du coup, mais au pire, n'hésite pas à lancer le jeu en étant jeune, puis balade-toi, va t'harmoniser aux éthérines dans les capitales. Oui, je pense que c'est ce que je vais faire. Le problème, c'est que ben voilà, quand je stream pas, ben forcément, de base, je joue pas trop. Et généralement, ben, quand du coup, je stream pas. Bah, j'en profite pour dev meilleur ou pour me poser quoi. Donc faudrait qu'à un moment je prenne un petit moment pour le faire. Oui. Alors du coup, on va le supprimer. Alors, trésorerie. Alors ça, on va pas s'emmerder. On va en mettre 13. Voilà. Ok, ça c'est fait. Voilà. Possédie 8 bus. Alors, ça on va aller voir combien on en a du coup. Véhicule possédé 5, il m'en faut 3. Je vais prendre des petits. Je vais prendre des petits bus hein, du coup. Effectuer un itinéraire entre Saint-Anthony et Greenwood en moins de 35 minutes. C'est où Saint-Anthony, c'est ici. Et Greenwood, c'est où Greenwood? C'est ici. Bon, ça va, 35 minutes, frère. Hein. Ah ouais, d'accord. Ah oui, oula, celui-là est déficitaire. Hop. Saint-Anthony. Hop. De deux. De trois. De quatre. Voilà, en moins de 35 minutes. Ah, ça va. Hein. Ça va pas prendre 35 minutes, ça. Si. Conduire maintenant. Puis après, on achètera des bus. Tu me diras quand si tu le fais que je fasse aussi. Oui, mais il n'y a pas de souci. Je sais pas si ce sera fait pour vendredi, par contre. Hein. Je pense pas que ce sera fait pour vendredi. Mais pour la session suivante, je pense que je me prendrai un moment. D'ailleurs, je pense que je vais devoir réserver certains jours pour FF. C'est pas encore sûr, ça dépendra de l'école. Sauf si du coup, comme j'ai dit, ma mère déménage. Là, dans ce cas, je serai un peu plus tranquille. Hein. Tranquille. Tranquille ou tranquille? Je dis tranquille, moi, de base. Oui, n'importe, juste tu me préviens qu'on soit à jour tous les deux là-dessus. Ok, ouais, mais il n'y a pas de souci. Oh, la vache, je l'ai vu de près, c'est bien. Tranquille. Bah ouais, mais le problème, c'est que moi, du coup, tu vois, les deux L E. QI 2 LE, c'est comme une quille, tu vois. Une quille du bowling. Et du coup, je dis tranquille. C'est pas ma faute. Hein. Ouais, bah.
Ouh, tranquille. Eh ben, la langue française, elle est compliquée. Moi, je dis tranquille. Et ça me groue. Je crois que tout à l'heure j'ai dit tranquille. Sans faire attention, je crois que c'était sur FF, je crois que j'ai dit tranquille. Je crois que ça va être comme le 70 et le 90, j'utilise des fois les deux. Ouais, ce soir je conduis comme un pied. Et encore. Un pied, ça va sur la pédale. Moi, je suis la pédale. Aïe, aïe, aïe. Oh la vache. Le pro du volant, tu vois. Quand l'homme et la machine ne font qu'un. Oh purée. Moi je suis dans ton planning, tu fais comme ça t'arrange. Après je sais qu'il y a le samedi que je peux pas choisir. En fait c'est parce que du coup le soir, enfin le soir. Sauf le mercredi, du coup, la fin d'après-midi, normalement, des fois, c'est pas impossible que j'aille aller chercher le petit, alors que c'était pas prévu. Et comme tu sais qu'en général, avec mon beau-père, en ce moment, voilà, le planning, c'est un peu du free. Je préfère ne pas prévoir un stream sur FF et devoir l'arrêter en plein milieu. Ça m'emmerderait énormément. Ça m'emmerderait parce que tu vois, c'est le genre de choses auxquelles si jamais ça se reproduit deux ou trois fois de suite, c'est le genre de choses qui pourraient me dégoûter du jeu. Et ça, j'ai pas envie du tout. Autant ce serait Orange Juice, je m'en fiche. Pas des trucs longs comme FF. Il est pas fiable. Ben, c'est parce que. Lui, il n'y a pas de planning. Enfin. Je dois faire un truc, ben, je vais le faire maintenant. Quitte à aller chez les gens à 20h ou 21h, tu vois. Dans son patelin, si je peux dire ça comme ça, chacun va à peu près où il veut, à l'heure qu'il veut, quoi. Bon, c'est sûr, pas 3h du matin non plus, mais et moi qui aime bien rester bien tranquille et bien planifié et être peinard, quoi, être tranquille. C'est pas compatible. C'est vraiment pas compatible. Pareil, quand par exemple il faut que j'aille chercher le petit, ce qui n'est pas un problème, hein. Mais quand je dois aller chercher le petit à l'école, j'aimerais bien être au courant, aller au minimum à 16h. Pas à 16h30, c'est-à-dire 5 minutes avant la sortie des cours. Parce que ben. Voilà, c'est chiant.
Ouais, pas moi, tu viens me déranger avec ta mère pour des bandits, je vais faire un peu la... Mais totalement, totalement, ma mère c'est pareil, au bout d'un moment, allez, allez, 20h, 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 tu vois, c'est le maximum pour qu'on reçoive, hors cas d'urgence, ça, évidemment, mais 20h, c'est vraiment le maximum auquel on peut recevoir quelqu'un pour un petit truc rapide. Mais non, des fois, lui, c'est en 21, 22h. Une fois, mon beau-père, il est venu, il était 19h30, à peu près. Après, il est gentil, hein. Je dis pas, il est gentil et tout, mais voilà, il a une façon de marcher, de fonctionner qui... Voilà, faut prendre l'habitude. Du coup, il est venu à 19h30. Il me dit, j'aimerais bien te parler un petit peu. Ouais, bah allez-y, pas de problème. Moi je le vous vois, hein, mon beau-père. Ça fait 12 ans, mais je le vous vois encore. Et je me suis dit, bon, bah il va me parler, on va parler peut-être de paperasse, etc. Il va peut-être me demander d'aller chercher, d'aller télécharger quelques babioles. Je me dis, bon, allez, dans une demi-heure, c'est fini. Ouais. Non? Ah non, non, ah non, non, il est resté jusqu'à 22h30. Mais attends, mais sérieux, quoi, mais casse-toi, toi. Foiré. Oh. 22h30. Donc il est resté 3 heures, je crois. Ouais, c'est ça, 3 heures. Alors que c'était pas prévu. Ouais, ça fait tard, ouais, bah. Mais c'est surtout que moi qui aime bien être peinard, surtout chez moi, je déteste recevoir les gens chez moi. Mon chez moi, en gros, c'est un peu, comment dire, c'est un peu mon petit cocon. C'est pour ça que je sors pas d'ailleurs, hein. J'ai jamais aimé sortir. Mais sérieux, mais vous foutez de ma gueule. Mais mon chez moi, c'est mon cocon. Puis le soir, surtout la journée, je m'en fous. Ouais, surtout le soir, tu vois, c'est pire, quoi. Le soir, t'as envie d'être peinard, t'as envie de discuter. Des fois, c'est déjà arrivé que je voulais discuter avec quelqu'un, ou que quelqu'un voulait discuter avec moi, que je dis, ben ouais, ce soir, il n'y a aucun problème. Et en fait non, ah non, j'ai pas pu. Et moi je me sens con à dire, bah attends, il était bien chez moi. La journée je m'en fous. Alors oui, mais bah, hein, quand ça arrive, tu sais, tous les jours. Voilà quoi. Alors je le dis pas parce que généralement je parle quasiment jamais de moi, surtout sur le serveur, mais. Le matin, surtout le matin. Le matin, il est 9h à peu près, au moment auquel. Merde, j'ai oublié un arrêt. C'est le moment auquel je fais mes daily sur Azure. J'ouvre l'ordi, même si je suis réveillé depuis belle lurette, hein, mais j'ouvre l'ordi vers ouais, 9h-10, 9h. Économie d'énergie, tout ça. Bref. Emile est con, lui, il allume sa musique et puis il la coupe. Et puis, donc je m'assieds devant le PC, j'allume l'ordi, je me dis, bon, je vais faire mon café, peinard, tranquille. Faire mes daily, ça dure, bah, comme ce matin, hein, c'est en automatique, hein, ça dure, allez, 1 heure. Et il est quoi, 9h05, 9h10. Hello. Et je vois mon téléphone et je fais un It's appel de mon way too beau-père. early. 9h. Alors je sais qu'à 9h généralement faut vivre, hein. Mais non. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi j'aime pas avoir quelqu'un souvent, j'aime pas avoir quelqu'un tout court. Mais en plus là on se voit quasiment tous les jours.
Je peux pas. Oui, je peux pas. Pareil, mon beau-père, à un moment, il me dit... Tiens, j'ai envie de... J'ai besoin de te voir. Ouais? Ok. Il n'y a personne de connecté. J'ai rien de prévu. J'ai pas envie de bosser parce que, bah... Hein, voilà. Parce que je bosse déjà assez. Je stream pas. J'ai pas prévu de stream. Oui? D'accord. Bah vous me prévenez et puis ok, pas de problème. Donc il veut me voir, il veut me parler. Ok, pas de problème. Le problème, c'est que quand je le vois, bah, il est avec quelqu'un. Quelqu'un que je connais pas. Et c'est pas méchant hein, ce que je dis. C'est valable pour tout le monde, quasiment tout le monde, mais j'aime pas les gens. J'aime pas les gens, j'aime pas voir les gens. Ça me stresse. J'ai l'air con, je suis pas préparé. J'ai pas, pas que je, pas que j'ai pas envie de faire mauvaise impression, quand même un peu. Mais j'ai peur justement de. J'aime pas les gens. J'ai pas envie de passer du temps avec les gens. Généralement, quand on doit voir quelqu'un, c'est je dis la chose le plus rapidement possible. À de très rares occasions, forcément, il y a des exceptions. Mais le problème, c'est qu'il ne me dit pas quand il y a quelqu'un. Et du coup, bah, des fois, bah, je vois quelqu'un. Attends, vous avez percuté un obstacle. Attends, j'ai roulé sur quoi? Sur de la mousse? Il est fou ce jeu. Bref, du coup, ben des fois. Bon, du coup, il n'y a que toi, je crois, sur le stream, mais du coup, désolé, hein, des fois, je dis, des fois, je réponds pas. Des fois, je dis que je suis dispo, puis en fait, j'annule tout. Des fois, je suis crevé, mais ben, c'est juste, c'est pas que j'ai bougé ou autre, hein, c'est juste que, ben, du coup, ben, j'ai passé quasiment la journée à discuter avec lui et sincèrement des fois les discussions. Oh la vache. C'est pas des discussions, hein, c'est un meeting. Ouais, c'est ça, je suis vidé. Ou alors du coup il me parle de quelque chose que. Pff, sincèrement, au bout d'un moment, j'en ai un peu marre de. Un peu marre de m'énerver pour ce genre de choses, et puis ben, du coup, ben, j'ai plus envie. Après, moi, il faut pas grand chose aussi pour me démotiver. Moi, c'est simple, hein, tu me tiens le crachoir pendant 1 heure alors que c'était pas prévu. Oh la vache, oh, c'est bon, la journée elle est morte. J'ai oublié la rampe. Eh non, là je l'ai fait en moins de 35 minutes. Normalement ça devrait être bon. Mais ouais, du coup... Du coup, vis-à-vis des streams, pareil, je lui ai dit, alors j'ai un peu menti, c'est rare que je mente, mais j'ai un peu menti. C'est surtout pour avoir la paix, quoi, parce que voir quelqu'un, même ma mère, hein, la voir tous les jours, elle est comme moi, c'est niette, c'est mort. Je lui ai dit, bah, je stream quasiment tous les jours, parce que bah, c'est le seul moyen de me faire un peu d'argent. C'est faux, hein. Twitch, ça me rapporte pas grand chose. Je veux dire, si vous vous abonnez pas, ça me rapporte rien. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'il faut pas vous abonner. Petit au passage, mais là, c'est. Hein, voilà. Mais c'est le. Au moins, comme ça, je sais que le soir, tu vois, je. Eh, je suis tranquille. Ah, je suis tranquille. Comme là. Hier. Hier, j'étais. Eh ben, déjà lundi, j'étais pas trop présent, mais mardi, j'étais pas trop présent non plus. Hier, mon beau-père vient me chercher.
Vous savez que ce stream là, aujourd'hui, il a failli ne pas avoir lieu. Hein. Ça fait longtemps que, bah, comme tu sais, hein, ça fait longtemps que je le prévois, mais il a failli pas avoir lieu. Hein. Parce que hier, mon beau-père m'emmène chez ma mère. Il vient me chercher, hein, il voulait me parler, donc du coup, il m'emmène chez ma mère. À l'improviste, évidemment, hein, sinon c'est pas drôle. Il me fait, tu fais quoi ce soir? Ce soir, je vais chercher mon gâteau. Hein, parce que je veux mon gâteau. Toi, tu veux. Et où le petit Kim Jong-un avec des seins, là, hein? Voilà. Et. Donc ce soir, je vais chercher mon gâteau. Je rentre. Et puis voilà. Hein? Il fait. Ah, tu viens pas demain? Vu que c'est ton anniv, tu viens pas demain? Bah non. Pourquoi je viendrai demain? Qu'est-ce que j'ai à faire demain? Passer mon anniversaire avec mon fils? Alors, oui, le problème c'est que bah, j'aime pas fêter mon anniversaire, donc et je veux pas qu'il me le souhaite. Je veux pas qu'on me le souhaite tout court en fait. Donc oui, non, ce serait son anniversaire, aucun problème. Mais non. Ah, non, 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 bien. Moi, ce jour-là, on me fout la paix. Et il fait. Bah, je viens te chercher demain. D'accord, si vous voulez, hein, mais non, la porte, elle sera fermée demain. C'est hors de question. Demain, je bouge pas un orteil, je mets pas un orteil, même pas sur mon balcon. Demain, je suis mort. Et je crois qu'il a oublié. Donc ça va. Après, je sais que ça peut être méchant et tout, ça peut être mal vu, le fait que je sorte pas, que je dise que j'aime pas les gens. C'est vrai, hein, c'est surtout voir les gens sans que ce soit prévu, tu vois. J'ai toujours peur, tu sais, de faire une mauvaise impression. Ou ce genre de choses. Mais ouais, non, le stream aujourd'hui, il a failli être annulé. Ça aurait été bien, tiens. Ça aurait été chouette. Non, personne n'est venu te chercher. Bah, la porte, de toute façon, elle aurait été fermée. Alors, normalement, ils ont mes clés, puisque en cas d'urgence, ça a failli arriver il n'y a pas longtemps. Il y a quelques mois. J'ai rien dit à personne d'ailleurs. Il y a quelques mois, je me suis senti horriblement mal, de but en blanc. En plus, j'étais en train de vous parler. J'étais sur Discord. On était en train de parler en groupe, là, sur Discord et tout. Et je me suis absenté et puis je me suis senti tellement mal d'un coup. J'ai rien dit. Des envies de vomir, tout ça. Et d'urgence quand même, j'ai quand même appelé. J'ai quand même appelé ma mère pour la prévenir. Le souci, c'est que j'avais plus pouvoir. Je pouvais plus avoir la possibilité d'aller ouvrir ma porte. Ça a été fermé à clé. Et je pouvais plus bouger. J'étais complètement bloqué. Alors du coup, maintenant, ils ont mes clés. Sauf que là, aujourd'hui, j'ai prévu le coup. J'ai mis les clés sur ma porte. Donc on peut pas l'ouvrir. Mais des fois. Je vais me faire engueuler, hein, mais bon, tant pis, je suis plus à ça près. Vas-y, on peut pas m'engueuler. Aujourd'hui, on peut pas m'engueuler. Aujourd'hui, je suis intouchable. Très souvent, je dis rien, je suis silencieux et tout. Je dis que tout va bien, mais en fait, ça va pas du tout.
Surtout là quand il a fait très chaud. À un moment. Oh mes aïeux, quelle horreur. J'ai rien dit à personne, mais alors en fait j'étais au lit, impossible de pouvoir bouger le petit orteil. On appelle ça, je sais, égrou. Mais en général, quand je dis même pas OIA sur le serveur, que je parle pas de la journée ou autre, il y a trois possibilités. Soit je bosse sur mes IA. Soit je bosse sur mes IA. Soit je suis pas à la maison. Parce que. Mais non, j'ai pas oublié les passagers, mais laisse. Oh, va te faire voir. Ou alors je suis pas bien. Mais alors vraiment pas bien. Vous avez loupé un arrêt. Mais tu te fous de ma gueule, tu m'as dit que vous avez loupé. Tu te fous de moi, toi. Et en général, même quand je suis pas à la maison, j'envoie quand même des messages de surdition. Donc en général, quand je dis rien du tout, mais alors vraiment rien du tout, c'est là qu'il faut commencer peut-être un petit peu à s'inquiéter. Mais je continuerai de rien dire. Ouais, tu fais vraiment le mort, il y a quelque chose. C'est ça. C'est ça. En général, quand je suis vraiment pas bien, mais malade, vraiment très malade, ma priorité, c'est soigne-toi. Bah, tu t'en fous du tu t'en même ma mère hein, je la préviens juste que je suis pas au top et que du coup je vais être voilà que je vais être peinard. C'est tu te soignes, tu parles à personne, tu veux voir personne, tu emmerdes personne, et tu essayes de te faire emmerder par personne. Tu te soignes quel que soit le moyen, que tu prennes un bain froid si jamais tu t'attrapes la crève, ou que tu prennes des cachets. Même si les cachets, hein, je ne suis pas très fort. Mais au bout de quelques jours, tu prends des cachets. Enfin, bref, tu dors. Ton objectif, c'est aller mieux. Voilà. Le média, les streams, tout ça, j'en ai absolument rien à carrer. C'est tu vas mieux. Je te harcèlerai à ce moment-là. Eh ben bravo, hein. Voilà, à cause de toi, j'ai fait un accident. Tu me dois 600 euros. Mais ouais, en général, si jamais vous voyez que je parle pas un iota dans une journée, ouais, c'est qu'il y a vraiment quelque chose qui va pas. Après, je serais pas en train de. Si je dis par exemple que je suis pas chez moi, c'est que je suis vraiment pas chez moi. Par contre, si je dis que tout va bien et que je réponds plus, que je parlais pas de la journée, mais que je réponds plus du tout, c'est que non, je vais pas bien. C'est juste que je dirais pas que j'irai pas bien. Ou juste, oh, ouais, voilà, j'ai peut-être un petit mal de crâne. Ou j'ai peut-être un poil qui s'est barré. Je suis très triste pour lui parce que je suis très inquiet, tu vois. Et voilà. Je dirais juste que voilà, ça va pas trop. Faut bien prendre des médocs à un moment donné si on veut soigner. Ouais, le problème c'est que moi, tu vois, je prends. Est-ce que tu te souviens de quand j'ai eu ma. Il y a un an. Ma migraine. Ma migraine qui a parti, enfin, qui a duré pendant 3 semaines. J'ai mis 5 jours. 5 jours pour prendre un cachet. 5 jours à avoir un mal de crâne horrible. Juste parce que je voulais pas faire d'automédication. Et c'est seulement au bout de 5 jours que j'ai dit je vais prendre un cachet. Et c'est seulement au bout de 24 heures après avoir pris le cachet que ça ne marchait pas, que j'ai été au médecin.
Ouais, il m'a fallu une seconde pour me montrer. Et pendant ce temps-là, pendant 5 jours, j'avais qu'une idée en tête, c'est me soigner. Mais pas avec des médocs. Alors forcément, je mangeais pas trop. Je bah boire. Non, c'était miette. Donc ouais, non, j'allais pas. J'allais pas mieux. Mais c'est rare en général que ça dure pendant 5 jours. En général, au bout de 24 heures, c'est passé. Ok, je saurai quand il ira pas bien alors. Gros. Après, il faut quand même que je dise aussi que trop s'inquiéter pour moi, ça m'énerve. À un moment. Oui, là, elle n'est pas là, elle ne peut pas le confirmer. Mais à un moment. Quand ma mère, à un moment, elle m'a appelé pour. Mais pouic! Ah ben tiens! Ben tiens, quand on parle de la louve. Quand on parle de la louve, elle montre son pouic pouic. De quoi, Wina? Ah, tu peux confirmer que IRL, quand je vais pas bien, j'en ai marre qu'on s'inquiète pour moi. Tu sais, à essayer de me chouchouter, de me pomponner, à essayer de me dire oh, tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. Hein, quand je suis malade, la seule chose qui compte, c'est Caro, tu vas te coucher, tu te bases, tu te barres, hein, voilà, vous me foutez la paix. Tu le dis jamais de base quand tu vas mal, tu es quelqu'un de fier. Voilà. Voilà, en général, je dirais juste que ouais, j'ai peut-être un petit mal de crâne. Bien. Après, c'est pas ma faute, hein. J'essaye vraiment de faire des efforts et tout, mais ça, ce truc-là, je peux pas. Pourquoi tu parles, faut te tirer les cardinets car tu dis jamais rien. Gros. Gros. C'est pas ma faute. Je suis innocent, Madame l'arbitre. C'était prévu le bus ce soir, c'était pas marqué dans le planning. Non, c'était pas prévu. C'est juste que je voulais pas finir non plus trop tôt. Et puis je voulais finir sur quelque chose de chill, quoi. Même si j'ai écrasé deux personnes. Mais bon, c'était deux personnes qui le méritaient, donc voilà. Non, je voulais juste discuter, finir de discuter un petit peu. Moi aussi, c'est pareil, je dis que ça va, même si c'est pas vrai. En général, quand quelqu'un dit que ça va et que ça va pas, généralement, ça se ressent. Bah, quand tu commences à bien apprécier et à bien connaître la personne, ça se ressent. Ça évite les questions et les interrogations. C'est ça. Après, moi, quelqu'un qui me dit non, ça va pas, je le laisse tranquille. Je laisse tranquille jusqu'à temps qu'il revienne pareil. Moi, je peux pas le cacher, mes sentiments, mon anxiété, parle tout seul avec de l'anxiété généralisée, tu peux pas le cacher quand tu es malade. Tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Mais tu vois, quand tu me dis souvent que tu vas pas bien, je dis généralement de prendre soin de toi.
Pardon, j'ai le gâteau qui me remonte un petit peu là. Je dis de prendre soin de toi. Et généralement, si la personne ne veut pas en parler, je parle plus. Je laisse la personne tranquille. Je veux pas m'occuper des choses qui ne me regardent pas. Et si la personne veut en parler, je suis là. Moi aussi, ça se voit sur ma gueule quand ça va vraiment pas et ça m'énerve. On peut pas le cacher, hein, c'est difficile. La façon de parler, la façon et par écrit, c'est surtout les mots que tu utilises. La rapidité, ça a l'air con, mais la rapidité dont tu l'écris, certaines fautes quand tu vas pas ou quand tu es énervé, tu fais plus certaines fautes que d'autres. Voilà, quelqu'un qui te connaît, généralement, tu le ressens très facilement quand ça va pas. Il n'y avait pas que des fraises sur ton gâteau, sur les photos, il y avait un autre fruit. Il y avait des groseilles. Ça fait très longtemps que j'en avais pas mangé. Ça fait, Oh non. si je dis pas de bêtises, ça fait 14 ans que j'en ai pas mangé. Il y en a qui arrivent très bien. Physiquement, après ça dépend si je suis malade ou si je suis vraiment en furax. Quand je suis malade, j'essaye de le cacher, mais quand je suis furax, par contre, on le voit pas. Quand j'ai vraiment envie de le cacher, on n'y voit rien. Mais oui, sinon, ouais, il n'y avait pas que des fraises. Il y avait plus de fraises qu'autre chose. Et je crois qu'il y avait. Comment c'était pas du raisin, c'est. Des framboises noires. Des mûres. Je crois que c'est des mûres. Il y avait des groseilles. À un moment, je ne sais pas si vous voyez sur les photos, il y a un petit peu de poudre marron. C'est des spéculoos. C'est de la poudre de spéculoos. Oh, c'était tellement, oh, tellement bon. Et vous avez remarqué, quand je klaxonne, il a accéléré. Merde. Spéculoos. Oui, me reste la moitié du gâteau là. Parce que je voulais pas faire mon gourmand, mais il y a encore la moitié du gâteau. Sinon là, il n'y en aurait plus. Attendez, hier du coup j'ai vu ma mère, elle me dit tiens pour mon anniversaire j'aimerais bien me prendre une forêt noire. Ouais, y a pas de problème. Ouais. Si jamais tu prends des gâteaux, tu me prends bien. Mais conseil, prends-en pas un trop petit parce que moi je vais te bouffer au moins la moitié. Par contre, à chaque fois que j'arrive ici, je me prends la bordure. Ça, c'est chiant. Garde-le pour demain. Ouais, je vais garder pour demain. Demain après-midi. Voilà, au moins vous saurez ce que je ferai demain après-midi. Demain après-midi. Bon, je bosserai pas parce que du coup, si je bouffe, je bosserai pas. Mais voilà, je serai en train de déguster le. Je serai en train de déguster mon gâteau. The door. It's still open. C'est mon gâteau d'anniversaire aussi. De quoi la forêt noire? Tu t'entendrais bien avec ma mère, non, du coup. Purée, tu me fais penser que toi et moi, pile, c'est moi. Tu vois, je dirais rien parce que je sais que quand moi ça arrive, dès qu'on arrive le mois d'août, c'est bon, moi je me. Attends, il est torse nu dans la rue ou quoi? Ah non, il y a un pull. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur ce coup.
La roue la vieille. C'est vrai, elle est plus vieille que sa couronne. Ça va encore. Ça le jeune. Ça devrait être interdit les jeunes comme ça. Bon, par contre, alors là, je vais m'arrêter sur cet itinéraire. Voilà. On est d'accord que cet itinéraire, je l'ai fait en moins de 35 minutes. Hein, puisque je l'ai fait deux ou trois fois là. Saint-Anthony. Ah non, mais c'est pas le bon. Oh, mais attends. Oh, mais qu'est-ce que je suis con. Bah non, c'est pas lui non plus. Saint-Anthony, c'est lequel? Oh, je fais le mauvais itinéraire depuis tout à l'heure. Mais qu'est-ce que je suis débile en même temps. Oh là 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 là, ça va pas le faire. Hop. C'est pas à ma faute. Toi, j'ai halluciné quand j'ai vu sur Facebook que t'avais 34 ans aujourd'hui. Quel est le con qui a bien 34 ans aujourd'hui, franchement. Ah là là là. Si vous voyez, faut le tabasser. Vous lui dites que c'est un con et puis qu'il arrête de bouffer des fraisiers et puis voilà. Ouais, bah on a 10 ans d'écart avec toi. C'est vrai. Sale jeu. Eh, normalement, vous devriez intervertir Sakura et Haruka. Pas mal ce bus. Il freine bien. Une vraie position à l'arrêt. Ouais, elle est bien. J'avais pensé le pire, mais c'est trop tard maintenant. Ah oui, là pour maintenant, oui, c'est trop tard, ça va pas. Les gens comprendront pas. Comme bus. Tu vois, elle est contrôlée. Pour changer. Yes, I can show you my ticket, but don't touch it. This is going straight into my collection. Here. Where is it? Oula. Oh, no, ah bah bravo. Ah bah bravo monsieur, franchement. C'est honteux. Kim Jong-un. Ah ben voilà. Voilà, vous avez vu? Voilà, Kim Jong-un. Et eh ben, il paye pas ses tickets. On voit qu'on est en Amérique. Hein. Il se croit tout permis en Rocketman. On dirait qu'il est tout nu. Tout nu et tout bronzé. J'ai oublié de fermer la porte.
savez que ça va faire 14 heures que je suis en train de stream. Vous savez que ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ce time. Mauvaise position à l'arrêt. Oh, oui, ça va. Mais ouais, ça va, le stream s'est bien déroulé aujourd'hui. On me l'a pas trop souhaité en stream. Deux fois, je crois, trois fois. Non, deux fois. Après le stream, je publierai le fan art du coup que Neil m'a fait. Je prendrai un peu la rediff pour la découper en plusieurs parties. Merde. Vous avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Rien vu, rien entendu, rien senti. Passons, c'est de votre faute, hein. Je regarde le chat, donc. C'est vous qui allez payer les réparations. Et voilà. Effectuer un itinéraire. Ok, en moins de 35 minutes. Je l'ai fait en moins de 35 minutes. Hein. Voilà, super. Posséder 8 bus. Allez. Ici. On va acheter les petits. Sur FF, si jamais t'en viens à t'acheter le jeu, on pourra t'annexer à notre guide. Ouais. Alors tu vois, si jamais je viendrai à l'acheter, c'est vraiment que je serai sûr que je vais faire des streams réguliers. Parce que ça me ferait vraiment chier de couper dans le budget de Meia pour y jouer une fois tous les 36 de l'année. Après, j'avoue quand même que à partir du moment auquel je décide de m'y mettre. Bon, c'est sûr qu'au début, j'aurai pas le staff qu'il faut, hein, mais les sorties de guild, si jamais il y a besoin, je serai là. Hein. Ça c'est sûr. Du coup, on va prendre les plus petits. 100 000. 100 000. Oh, je peux en prendre 15. Non, il me faudra encore 200 000. Cher quand même, frère. Faudrait que je vois aussi combien ça coûte. C'est ça aussi, c'est important. Non seulement du coup l'abonnement, faudra que je crois que tu m'as dit que c'était 11 euros, je crois 11 ou 12 euros,
Et surtout les extensions, faudra que je vois le prix, quoi. On n'en aura plus que deux à prendre. Ok, voilà, c'est fait. Ok, il faudra que j'en achète encore, encore deux. On va prendre celui-là du coup. T'inquiète, on verra en temps et en heure. Oui, ça c'est pas un souci. Faudra au moins que je prévoie par contre un stream obligatoirement sur dessus pour sur plein de lignes. L'abonnement à FF c'est 13 euros comme moi. 13 euros. Oh merde, je t'ai écrasé pour rien. Oh. Oh putain, par contre, je suis pauvre. Hein. Ouais, je crois que cette map, je vais la supprimer. Je vais partir en Europe. €13. C'est pas impossible que je supprime mon abonnement à Discord à un moment. Parce qu'avec la conjoncture de la guerre en Ukraine, etc., l'abonnement à Discord commence à coûter plus cher que prévu. Là, hier, j'ai été débité de 13 euros, de 10,40 €. Là où il y a 6 mois, je payais à peine 9 euros. Alors c'est pas grand chose hein, c'est 1,50 €, mais voilà. Hein. On va dire que je stream pas assez pour pouvoir rentabiliser le Discord. Je peux pas supprimer le site, donc ça c'est des frais que je pourrais pas supprimer. Tu comptes arrêter ton abonnement Discord? Non, 11 euros et quelques pour l'abo de base et 13 euros pour avoir plusieurs persos sur un même serveur. Ah, je savais même pas qu'il y avait une différence en plus. Sur Instant Gaming, Endwalker doit être en arrivé à 20 euros et tu auras tout dedans. Juste acheter le jeu de base et enlever 10 euros pour la 30 euros. Tiens, madame. 30 euros. Faudrait que je vende sans. Je pourrais pas vendre sans, ça c'est certain. J'ai promis à maman déjà de faire les enfants de chaos. C'était prévu depuis décembre l'année dernière, donc faudra que je vous. Tu comptes arrêter ton abonnement Discord? Bah écoute, si jamais le prix à cause du cours entre l'euro et le dollar augmente. Ouais, hein, il y a des chances qu'au bout d'un moment, je finis par le supprimer. Hein. Je vais pas dépenser à perte. Ouais, de toute façon, on est encore loin de finir Ravensward. Et donc, il y a le temps. Puis même, après l'avoir fini, tu auras toujours l'accès à la. Oui, ça va, heureusement. Heureusement. 31 000. Hey. Copperpot Tilton Avenue. What a beautiful day. Emergency headquarters. Old police station.
Après, dans mon budget, il y a une chose que je... S'il y a bien une chose que j'évite de couper en dehors du loyer, etc., ah, forcément, c'est tout au moins la commission avec maman, même si je supprime toutes mes autres commissions. Mais c'est surtout la commission avec maman que j'essaie de garder le plus possible. Parce que dans le planning, chaque mois que je peux faire, ça m'aide beaucoup. Sachant qu'avec ma mère, j'en ai encore au moins pendant 2 ans si tout va bien. D'ailleurs, ça me fait penser le 27, Le 27 dans la journée, vous ne me verrez pas. Hein. Ouais, le 27 dans l'après-midi, vous me verrez pas. Il n'y aura pas de stream le mardi 27. Je préfère vous prévenir. Non, pourquoi? Bah, parce que c'est là que j'ai mon rendez-vous. C'est là que chaque personnage que je peux avoir d'ici aujourd'hui au 27, enfin au 26, chaque morceau d'histoire que je peux avoir, etc., c'est d'ici au 27, ça va être le plus important. Le fameux rendez-vous, ouais. Pas trop soin. Après, ça va, je pense que depuis l'année dernière que j'ai eu rendez-vous. Il est où le classeur? Non, il est au salon, le classeur. J'ai plutôt bien avancé en un an. Dernière fois que j'ai eu rendez-vous avec elle, c'était au mois de novembre, je crois. Je pense que j'ai plutôt bien avancé. La sortie du manga là, de 13 pages, si vous en souvenez, cet été. Alors c'est sûr, j'ai pas fait mon beurre avec, hein, ça c'était certain, ça je m'en doutais un petit peu. Vis-à-vis des pubs, je suis pas non plus très très doué. Mais théoriquement, une partie de moi, si j'ai voulu vraiment absolument le faire, c'est surtout parce que bah, il me fallait une preuve comme quoi j'avance, que l'histoire elle avance, qu'il y a quand même vraiment quelque chose. Je vais encore essayer de gagner du temps, à la fois pour éviter aussi qu'elle me prenne un peu le fou, mais aussi pour m'aider, je vais demander des cours d'anglais. À la fois pour gagner du temps et surtout parce que bah, ça pourrait m'être utile, hein, parce que faire de la pub vraiment côté anglophone. Bon, on va pas se le cacher que ça sera plus intéressant que côté francophone. Hein, on est limité au côté francophone. Donc je vais voir s'il n'y a pas moyen de faire des cours. Si elle pourrait pas m'aider à faire des cours d'anglais. Ou tout au moins d'avoir une aide pour avoir des cours d'anglais, comme ça au moins ben, je pourrais m'y concentrer, m'y consacrer aussi. Mais ouais, du coup, si j'ai absolument tenu à sortir ce manga cet été, c'est surtout pour lui prouver que je tiens à quelque chose.
Et moi qui suis un peu noob dans le sens auquel pour m'adresser à destructeur etc. Ben moi je suis complètement paumé parce que ben, du coup je connais pas grand-chose. Voilà. Au moins ça donne un peu de comment dire un peu de un peu d'argument. Mais après, je ne le cache pas, hein, si un jour, vraiment un jour, j'ai la chance de pouvoir quitter le RSA et de vivre de Meia, quel que soit le projet que je mettrai en place pour ça, dès que je peux quitter le RSA, c'est ça, moi, je fais. Oh là là. Il n'y a rien de pire que de devoir justifier chaque année, ou tout au moins tous les 3 ou 6 mois, ce que tu fais. Oh, c'est une horreur. Moi qui aime être peinard, c'est une horreur. Après, je me plains un petit peu, je me plains un petit peu de comment dire de devoir me justifier. Mais après, la femme qui me suit là pour m'octroyer le RSA et pour essayer d'avancer un peu, elle est adorable, hein, elle est gentille et tout. Mais bon, voilà, ça reste stressant quand même de devoir te justifier de ce que tu fais, de ce que tu as fait. Je vous cache pas non plus que vis-à-vis des revenus Twitch, même s'ils sont pas énormes, ça donne un petit coup de pouce vis-à-vis du projet. Ça m'aide pas absolument pas pour vivre. Parce que ça va, ça j'arrive encore à m'en sortir, mais c'est surtout vis-à-vis du projet. Je me demande si en un moment. Je me demande si je n'aurais pas changé un peu d'optique et essayer vraiment d'accepter tout ce qui est abonnement, etc. Juste pour le projet, en fait. J'en sais rien. C'est pas mon habitude, donc c'est un peu compliqué. Au fond de moi, je me dis que si tu te démerdes tout seul, tu seras plus fier de ce que tu fais plutôt que d'avoir un coup de pouce des autres. Mais il faut quand même aussi, il y a une partie de moi qui me dit aussi, ouais, mais tout seul, tu n'y arriveras pas, garçon. Pas possible. Tiens-moi au courant pour un rendez-vous. Ouais, bah, de toute façon, vous le saurez vendredi, mardi soir, hein, le 27, hein. De toute façon, il y a deux possibilités. Si le 27 au soir, vous me voyez silencieux, c'est que ça, il y a un truc qui s'est mal passé et ça va me casser les pieds. Je vais certainement passer la soirée chez ma mère, mon beau-père pour décompresser. Soit je vais parler, je vais être extrêmement joyeux et ça veut dire que ben voilà, ça s'est bien passé.
Mais baisse ta musique, toi. Mais ouais, mais il y a du coup, ça a deux, comment dire, deux objectifs. Déjà, ben, c'est pour moi créer quelque chose, parce que ça fait plaisir, parce que j'adore ça. Et même si c'est pas l'objectif principal, ben, c'est que techniquement, il faut que j'avance. Il faut obligatoirement que j'avance pour survivre un petit peu en attendant de pouvoir me démerder tout seul. Il faut que je justifie justement que j'avance dessus. Le problème, et ça je pense que je devrais peut-être pas le dire, mais tant pis. Le problème, c'est que si jamais à un moment, ça va, elle est pas comme j'ai dit, c'est une femme adorable, donc ça va. Mais si jamais à un moment, on sait jamais, je viendrai à changer de conseillère. Je sais plus comment on appelle ça, une conseillère ou une. Ils appellent ça un travailleur, mais bon. Je vais appeler ça plutôt conseillère. Si jamais je viens à changer de conseiller ou de conseillère et que le nouveau serait une tête à claque, si jamais il ou elle viendrait à décider que Meia c'est zéro et c'est terminé. Alors ça m'empêchera pas de continuer d'essayer de développer Mia de mon côté, hein, ça voilà, ça reste mon projet, il n'y a pas de souci. Mais par contre le problème c'est qu'on va tout me sucrer. Tout, la totalité. Enfin, qu'on risque de tout me sucrer. Et le problème c'est que bah, pour survivre, il faudrait peut-être quand même que j'évite que j'en arrive jusque-là, quoi. D'où le fait que je vais absolument avancer dans mes liens, coûte que coûte. Le passager bloque une porte. Mais il commence à m'emmerder le passager. Regardez là. Franchement, tiens, on va les contrôler. Wait a second. There. Eh ben, il y en a des résidents. There it is. Ticket. 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 Of course, that thing you need to ride a bus. Here. Mais il est quelle heure là? 23h36. Hop. 14h10 de stream. Et là. On aura duré longtemps, hein, mine de rien. Enfin voilà, si jamais vous voyez que je suis extrêmement attaché à Mia, bah justement c'est pour ces deux raisons.
C'est cool. De quoi, les 14 h? Oui, oui. C'est tellement rare que je fasse jusque-là. Après, je cache pas non plus que, surtout ce matin, quand j'ai fait Azure Lane et bah Azure Lane, hein, puisque du coup j'ai commencé sur Azure Lane et WarioWare, je cache pas que je me suis dit tiens, ça serait bien quand même que je refasse vraiment des streams le matin comme avant quoi. Vraiment quelque chose qui me plaisait. Allez, encore 6 heures. De quoi 6 heures? Pour refaire. Et 6 heures, ça me fait 20. Ça me fait 20 heures. Et pourquoi faire? Et non, hein. Tu veux que je meure, c'est ça? Je te rappelle qu'à 1h30 du matin, je me suis fait sucer, hein. Alors, pougne. D'ailleurs, j'ai encore les séquelles. Hein. Par un moustique, hein, bien sûr. Évidemment. Par un moustique! Tu viens de préciser, j'allais te défoncer! Normalement, je l'ai dit au début du stream, mais ouais, non, à 1h30 du matin, j'ai entendu. Oh, j'ai fait non. Oh non, s'il te plaît, non. Non, viens pas me faire chier, non, s'il te plaît, je stream demain normalement, s'il te plaît, viens pas m'emmerder. Eh ben si, justement. Si, pendant 2-3 heures, je suis resté éveillé pour avec une bombe de raid là pour faire crever ce putain de moustique à la con. Et il m'a piqué deux fois, hein, cet enfoiré. Il m'a piqué deux fois. Enfin, elle. Et du coup, il n'y a que les femelles qui piquent. Ouais, fais gaffe à tes propos. Ban Twitch, allez hop. Mais gros! Je vous rappelle que je ne vis qu'avec mon chat, hein, en général. Donc, et mon chat, la seule chose qui l'intéresse, c'est les croquettes. Voilà, et quelques gratouilles. Voilà, hein, donc bon. C'est moi, je me suis vengé. Ouais, ben je crois que t'es crevé alors du coup. Parce que vu la dose de bombe que j'ai lancée. Ah non, là j'ai dit non, écoute-moi, espèce de petite saloperie, tu vas pas me faire chier. Ah non. Ah non, 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 là non. C'est mort. D'ailleurs, j'en ai presque plus, il faudra que j'en achète. Après, tu peux inviter des pus, des gens. Des pus. Ah ben écoute, oh, je pourrais, ouais. Ça coûte un peu cher, mais je dis pas non. J'ai fait à éclater. Je voulais contrôler les gens, mais il n'y a plus personne. Bon, allez, on se fait un dernier itinéraire là, et puis on va s'arrêter pour ce soir. Enfin, pour aujourd'hui plutôt. Je vais te défoncer. Ah non, laissez mon intégrité tranquille.
Tu vas contrôler personne parce que je vais venir te refermer chez toi. Ah, ah, non, alors ça tu peux pas parce que je suis déjà enfermé chez moi. Je suis déjà enfermé chez moi en fait. Merde. Ah, tant pis, j'ai pété un panneau. C'est le prix de la liberté. Faut toujours que ça me fasse passer ici. Oh, mais merde. J'aime vraiment pas cette rue. Et y en a, je la prends. Alors oui, non. Ouais, alors par contre, tu vas pas rouler sur le trottoir très longtemps. Ça sent que je commence à fatiguer. Ça doit s'entendre en tout cas. Hein. Mais vous n'avez rien vu. Non, à peine. Non, non, bien sûr. Tout va très bien, madame la marquise. First Street. First Street. Je déteste ces rues. Ah purée, vous voyez pourquoi je préfère conduire en Europe? Il n'y a pas ce genre de choses en Europe. En Europe, c'est bien. En Europe, c'est cool. En Amérique, c'est pas cool. C'est chiant. Aïe, aïe, aïe. Enfin, ouais, je m'arrête après, soit après cet itinéraire, soit quand je passe, quand je passerai de niveau. Pas trop tirer sur ma corne, hein, parce que sinon, ça va pas le faire. Merde, j'ai oublié l'handicapé. Je l'ai pas oublié là. Tout va très bien. Mauvaise position à l'arrêt. Oh, ça va. Ça se voit à peine. Il y a de fortes chances que sur Discord ou Twitter, je demande si les streams le matin, ça, enfin, si le stream de ce matin, ça vous a plu. À rediscuter comme on avait fait, comme j'avais prévu avant et tout. Et peut-être que d'ici l'année prochaine, je referai. Ce genre de stream à discuter des infos et tout.
C'était cool. Après, voilà, j'avais plus l'habitude, mais ouais, je verrais discuter de tout, de rien. Moi, ça me fait stream du coup. Peut-être qu'à un moment, je bosserai sur Meia, peut-être fin de matinée, tout ça. On verra. On verra, on verra. Du coup, 31 000, j'en suis à combien là, du coup? Septembre 2000. Oh, c'est pas assez. C'est pas assez pour. Puis, puis! Je suis au quatrième. Allez, on va finir l'itinéraire. J'arrive plus à parler. On va finir l'itinéraire pour. Vous avez loupé un arrêt. Mais va faire pas. Puis, puis. Mais où, patibulaire? Ici. Oh non, mais s'il te plaît, ta couleur de cheveux, frère. T'abuses. Après, techniquement, 9h30, tous les matins, il n'y a rien qui m'empêche de faire un stream, hein, techniquement. C'est juste que ben, il faudra peut-être que je me réabonne à un journal en ligne, quoi. Histoire qu'on a de quoi discuter. Pas un handicapé ici. Si, il y a un handicapé. Bien. Vas-y, monte, Albert. Celui qui s'est endormi. Là. Mais sérieux quoi, mais regardez-le, foiré, ben. Apprends à conduire. Oh purée, qu'est-ce que je suis salé là, quand je suis fatigué. Non mais attends, non mais sérieux, sur quoi là, j'ai frappé là. Y a rien. Y a rien. J'ai frappé sur quoi? Sur une molécule d'air. C'est la faute à Raidin, ça. Il est partout. Même si on le voit pas, il est partout. Allez, dernier arrêt. Dernier arrêt de la soirée. Et il est juste ici. Hop.
Niveau 3. Hop. Donc les gens ne descendent pas tant que j'ai pas mis la rampe. Les portes sont ouvertes, mais les gens ne descendent pas tant que j'ai pas mis la rampe. Mais ils sont complètement fous. Ils sont complètement cons en fait les gens. Enfin, bon, et ben les gens, on va s'arrêter ici pour ce soir. Il est à 23h53. Je me sens pas de faire un nouvel itinéraire. Pouic, pouic. Pouic, pouic. Toi, t'as une tête à t'appeler Bernard. Voilà. Voilà, on va être en compagnie de Bernard. On va finir le stream en compagnie de Bernard. Et puis voilà. Du coup, on s'arrête ici pour ce soir. Du coup, merci à tous ceux qui sont venus durant ces 14h30. On est presque à 14h30 de stream. Merci à ceux qui sont passés en lurk, merci aux abonnés, aux deux follow, merci à Shira pour son resub, merci à Harry pour son follow, merci Sakon, merci Haru, merci Ultep, merci Hola, Luna boss. d'être venu. Nice for you to stop by. Enfin bref, merci tout le monde d'être venu aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu sur Azur Lane, sur WarioWare, sur FFXIV, sur Orange Juice et sur Bus Simulator. On aura fait 5 jeux aujourd'hui. Ah, je sais pas quand est-ce que je referai un stream aussi long, si ce n'est sur le stream 24 heures le mois prochain. Enfin bref. Voilà, j'espère que. Merci pour les pattes. Désolé pour les items aussi, hein, puisque du coup j'ai pas pu. Ça n'a pas voulu s'activer. J'espère que ça vous aura plu. Je sais que les streams du matin, comme je venais de dire, les streams du matin, c'est quelque chose que j'aimerais bien pouvoir refaire comme avant. Faudrait que je vois si comment mettre ça en place et puis si ça intéresse vraiment. Et puis nous on se retrouve vendredi, peut-être chez Saku, du coup si peut-être si elle stream le Fall Guys. Sinon, on se retrouve vendredi pour Final Fantasy, la suite. Et puis sinon dimanche pour le bus, la suite du bus avec Sako si tu seras là et avec Norm. Bref, passez une bonne soirée, une bonne nuit. Moi, j'ai encore des petites choses à faire avant d'aller avant me Avant d'aller me piéter, tu penses? Ok, bon, bah, ce sera bien alors. On va pouvoir avancer comme il faut. Je commencerai peut-être un peu avant par contre. Je verrai. Moi, je commencerai peut-être avant 19h contre. Bref, du coup, passez une bonne soirée, une bonne nuit. J'ai encore un retweet à faire et tout. Bref. Merci à tout le monde d'être venu. Je suis claqué, hein, là ça se voit. Merci à tout le monde d'être venu. Passez une bonne soirée, une bonne nuit. Portez-vous bien, faites attention à vous. Et surtout, à la prochaine. Ciao. Bye bye.